Yo la famille, aujourd'hui une nouvelle vidéo. On est à l'UC, j'avais juste ici. Là, c'est une nouvelle vidéo les gars. On va aller de là jusqu'à Deauville à pied les gars. À pied, c'est un truc de ouf. On va faire une journée et 7 heures, je crois, c'est ça Abdel. Ouais. Une journée et 7 heures. Là, j'ai encouragé mon frère pour qu'il vienne avec moi. Ça va être nickel. Là, je suis équipé les gars. Un petit truc, petit sac. Il y a tout dedans, les batteries externes, de l'eau, tout. On va se taper ça à pied. Bah du coup, c'est parti les gars. Et voilà la famille, on est à l'UC, on vient de sortir là, on vient de sortir de Montvilliers. Et là, on va aller se taper au bord de la route, sa mère. Mais là, on vient de sortir de la ville. Là, ça y est, ça dure qu'on sort de la ville. Et on va se taper la forêt maintenant. Let's go. Passer par la forêt, c'est chaud parce que t'as des trucs comme ça qui piquent et c'est chiant, mais on va le faire, on va le faire, on va jamais lâcher. Bon les gars, on va se faire une petite pause parce que là il fait trop chaud. Abdel, il commence à avoir mal au niep, il commence à avoir des ampoules et tout. Honnêtement, je préfère faire une petite pause avant qu'il lâche prise et qu'il me dise ouais on arrête là parce que ça commence à être chaud, vrai de vrai. Moi ça va mais pour lui ça commence à être chaud. Un peu histoire de prendre un peu de temps et après on va voir si Abdel est toujours motivé et on reprend la route. Donc, voilà. Alors famille, on se repose un peu, on se lâche tout à l'heure. Et hop là. La famille. Je sais pas qu'est-ce que je vais vous dire, mais là, ça commence à me faire chier. Mon frère, il en peut plus. Il n'arrive plus à tendre ses jambes. Il a des ampoules partout. Il n'arrive plus à marcher. On a beaucoup marché. Et là, il en peut plus. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Je ne sais pas quoi faire. Franchement, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que j'arrête la vidéo? Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'on fait de l'autostop pour finir la vidéo? Est-ce que j'arrête la vidéo ici? Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je le laisse ici? Mais si je le laisse ici, ma daronne, elle va me tuer. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Mais je vais essayer de le motiver pour voir. Mais là, il a des ampoules partout au niveau de ses yeux. Et il n'arrive plus à...
à tendre ses pieds. Il n'arrive plus à tendre ses pieds. Il me dit, ça lui fait mal, ça a jamais fait ça, il a jamais eu ça, j'ai jamais vu comme ça, je sais pas quoi faire. Ça commence à être chaud, mais bon. Moi, ça va, en tout cas, moi, ça va, je tiens, mais lui, il a jamais fait ça, il a jamais marché. C'est sa première fois et j'avoue que c'est compliqué pour lui. Ouais. Mais bon, en tout cas, là, il se repose. J'espère que ça va le faire. On verra, j'attends ce qu'il va me dire après, s'il est bien ou pas, et on verra ce qu'on va faire. Hein. Croisons les doigts, croisons les doigts. Franchement, il n'y a rien d'intéressant ici. Mais on va marcher, marcher. Là, on est parti de la forêt. On a fait quelques kilomètres. Franchement, c'était, il n'y avait pas grand-chose d'intéressant. On a fait de village en village. Donc, je préférais ne pas filmer, vu qu'il n'y a rien d'intéressant. Comme vous voyez, là, il commence à faire nuit. Donc, on se dépêche pour trouver un endroit où passer la nuit. Dans l'énergie, ça. Dans la famille, là, on commence à cailler un peu, il commence à faire nuit. Donc, on va commencer à s'installer. Au début, on voulait s'installer là-bas, dans la petite forêt là-bas. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'accès. Il n'y a pas d'accès. Et du coup, on s'est dit, bah, pourquoi pas s'installer ici. Ici, déjà, il y a cette herbe-là. Là. Donc, ça, déjà, ça fait quand même un peu de l'isolation. On peut s'allonger dessus et on est bien. Et ici, ça coupe le vent déjà, de derrière. Donc, ça va être nickel. Mais le problème, c'est qu'on a vu des empreintes de sangliers. Donc, on a peur qu'il y ait des sangliers, tout ça. Donc, on a peur un petit peu. Mais bon, on n'a pas le choix, donc on va se mettre là. Donc c'est parti, on va mettre la tente. Et les... Je vous dis bonne nuit, je vais aller me poser à l'intérieur, je vais faire une petite sieste parce que là franchement je suis éclaté. Bonne nuit les gars. Yo la famille, on a été là-bas, donc on a dormi, là il est à peu près 4h, ça commence à piquer. Mais en fait, on dormait là-bas, on entendait des bruits, c'était un peu bizarre. Donc j'ai décidé de partir de là-bas et prendre un peu la route et pourquoi pas faire un autostop parce que j'avoue que là, je suis en t-shirt et en short. Regardez, il commence à cailler. Donc là, on va mettre déjà le gilet pour que les gens qu'on soit visibles, pour question de sécurité. J'ai pris une petite lumière là. Hop, on va la mettre là derrière. On va allumer une petite lumière ici et on va prendre le gilet. Le gilet, comme ça au moins on est visible parce que là on ne voit pas et c'est chaud. C'est chaud. On peut nous rouler dessus, on peut ne pas voir et tout. Donc je vais prendre un petit gilet dans le calme. Là au moins c'est sécurisé. Comme ça au moins on nous voit de loin. De devant, de derrière, et c'est parfait. Tac, tac. On ferme ça. Commence vraiment à cailler, les gars. J'espère qu'on va trouver quelqu'un qui va nous prendre parce que ça commence vraiment à cailler, sa mère. Allez, let's go.
Bon les gars, on va prendre un peu un autostop. Là, on a trouvé un petit coin chaud, histoire d'être un peu à l'abri. Et là, on va essayer de voir si quelqu'un va s'arrêter. Donc on va voir. Hein. J'espère que ça va s'arrêter. Là déjà, il y a une voiture qui arrive, on va voir. Ah, franchement, il caille en short et tout. Ah, c'est un peu galère. Franchement, c'est galère. Mais ça va. 4h du matin, j'espère que quelqu'un va nous prendre. On va voir. Dommage, dommage. Il ne veut pas s'arrêter. Attends, il y a une autre voiture qui arrive. Putain, elle tourne à gauche. Elle fait chier. On va attendre. Hein. Déjà, à cette heure-ci, il n'y a pas... On est là, on attend toujours les gars. C'est chaud, là, ça fait déjà 20 minutes. Ça commence à me faire chier. Je commence à être fatigué, j'ai mal dormi. Abdel, il commence un peu à être fatigué aussi. Je l'ai embarqué dans cette aventure. Abdel, ça va ? Ça va. Il a jamais fait ça de sa vie. J'avoue que même moi qui ai déjà sorti en truc, même moi qui ai déjà sorti en forêt et tout ça, et franchement, je commence à être fatigué. Yes, elle s'arrête. Merci beaucoup en tout cas, merci. Vous venez de loin ? Franchement, là on a fait. On a fait combien, Abdel ? Combien de routes ? Je sais pas, je sais pas rappeler. On a dormi, hein, mais après ça s'est mal passé. On entendait des bruits et tout. Ouais. On a voulu un peu avancer. Et bon, honnêtement, vous voyez qu'on est habillé en short. C'est pas prévu le voyage. C'était juste un challenge comme ça, hop, on y va. Mais franchement, il commence à cailler, vraiment, il commence à cailler. Je me suis dit, on va faire un autostop. Et là, vous êtes arrêté, c'est nickel. Ouais, parce que par ici, des gens, ils s'arrêtent pas. Hein. Oui, franchement, bah, en fait, il y avait des gens qui regardaient, qui avançaient, il y avait des doutes. C'est normal, il y a des gens, ils ont peur, 4h du matin, il y a deux personnes, c'est normal. Mais vous, franchement, vous êtes agréable. Vous avez de la chance. C'est parce que je rentre de soirée, c'est juste pour ça. Hein. C'est normal. En tout cas, merci beaucoup. Juste pour vous prévenir, tu vois, on est en train de passer, on est en train de faire une vidéo sur YouTube. Ouais. Vous voulez passer sur la chaîne ou pas du tout? Non, je préfère rester en anonyme, moi, parce que on ne sait jamais avec moi, j'ai un travail, on peut vous connaître facilement. Ouais, y a pas de souci. Mais par contre, je vais vous passer la chaîne YouTube, je vous laisse la chaîne. Bien sûr, avec plaisir. Ok, donc là, la dame, elle vient nous déposer. Franchement, elle était super cool. Elle était très, très gentille. Ça s'est bien passé avec elle. Mais honnêtement, mon frère, ça va pas du tout. Il a très, très mal au pied. Il n'arrive pas à marcher. Quand la dame elle nous a pris, franchement, ça va, ça a passé. Il était motivé, il commençait à avoir le sourire. Mais là, on a descendu et je le vois, il est pas ouf, ouf. Il n'est pas très, très ouf, ouf. Franchement, je sais pas s'il voudra continuer l'aventure ou pas. Mais bon, je croise les doigts, mais on verra. On verra bien. Là, on est dans une voiture avec une personne. Franchement, j'avais même pas le temps pour filmer. La personne, elle s'est arrêtée, elle nous a pris. Et ça tombait bien parce que mon frère, il était vraiment, vraiment fatigué. Il commençait à me faire peur. Il cherchait des trains, des blablacars. Il voulait trouver n'importe quoi pour rentrer. C'était un peu compliqué à ce moment-là, j'avoue. On commençait vraiment à être fatigué, mais ça tombait bien. La personne nous a pris, il était vraiment très sympa. En plus, ça tombait pile poil sur son chemin. Lui, il allait à Deauville, nous aussi. C'était parfait. Yo, la famille, on est arrivé à Deauville là. On prend un petit café vite fait. Des petits trucs, des petits jus d'orange et tout. Après, on va aller à la plage et on va se poser la tête parce que là, je suis vraiment éclaté. Voilà la famille, on est arrivé à Deauville. Il y a la plage juste derrière. Franchement, c'est agréable, sa mère. Mais il faut que je dors parce que là, je commence à avoir vraiment les yeux qui pendent. Je suis fatigué, regardez comment il fait beau, c'est un truc de ouf, mais il faut que je dors par contre. Mais il y a un truc par contre, on n'a pas pensé au retour les gars.